Eh, quel hôpital, hein? Quel hôpital? Bon, il l'amène à l'hôpital. À son hôpital. À son hôpital. Parce que c'est lui-même qui a opéré, Qui le médecin nous dit. C'est lui le médecin. C'est lui le propre médecin de cette situation, de ces cas. Alors, un cas individuel, il faut chercher un spécialiste pour le réparer. Voilà. Alors, le neuvième combat, nous allons voir Sirène. Nous voyons Sirène. Sirène sur le ring. Sirène qui nous rappelle un certain Kaikai. Kaikai, bien entendu. Kaikai, mais là c'est Sibolide. Sibolide. Et un cacheur à la cagoule. Un cacheur qui fait monter, qui renvoie les adversaires dans... pour grimper sur des arbres. Et alors ici, il n'y a pas d'arbres. Hein. Je ne sais pas si où est-ce qu'ils vont partir. Alors là, il faut rappeler que Sibolide, dès qu'il a été présenté, on l'a appelé pour la présentation. Il n'est pas sorti des vestiaires. C'est seulement maintenant qu'il apparaît sur la télévision nationale, votre télévision. Nous retrouvons Sirène! Vous mettez la sirène dans mon cou! Sirène est là! En deuxième position! Sirène est là! Nous retrouvons les combattants de tous les quartiers! Sirène! Ah! La demoiselle, comme on peut le dire! Sirène, c'est presque la demoiselle, on peut le dire comme ça! Est-ce que je peux l'appeler, je peux dire une grande danseuse ou un grand danseur? Non, ne pas ces gestes, on dira tout simplement une grande danseuse. Parce que ce sont vraiment des mouvements efféminés. Et avec son visage, avec sa façon de tresser plutôt les cheveux. Et voilà, Willy Kande, on assiste à un catcheur à double face. Hein. Voilà, il est géant. Ado Mujani. Ils sont là, ils nous aident. Et c'est parti pour ce neuvième combat. Pour ce neuvième combat. Pour ce neuvième combat entre Sirène et Sibolide, Romanis. Voilà le neuvième combat qui va opposer Sirène. Qui va opposer Sirène à Sibolide de Lokamba. Sirène est là en jupette avec un cinglé blanc, Sibolide en tenue camouflée, comme on peut le dire, camouflage. Sirène qui danse beaucoup, hein. Il refuse Sibolide avec des cheveux mystiques. Il dit attendez. Non, il dit ce n'est pas encore le moment, hein, Willy Kande. Avec un coup de tête terrible, mais ce n'est pas encore le moment. Sirène, oulala, Sirène qui commence, attends. Hein. Il ne peut pas tarder, il ne peut pas tarder, Sirène. C'est sa chevelure, il vaut le crédit. Non, coup de tête. Ce n'est pas le moment. C'est la moine au Koyoka. C'est là. C'est du beau, hein, c'est du beau à voir, c'est du spectacle. Voilà, ça me rappelle les rings qu'on avait posés en 1974 lors des grands combats du siècle, Mohamed Ali et Georges Foremani. Je crois que ça viendra avec des initiatives du numéro 1 de la jeunesse sport et loisirs, Denis Kambay Chimbumbu, le patron de la jeunesse sport et loisirs. Voilà. On va suivre la danse des sirènes. Sirène, dis. A votre gaël, je vois. A toi, tu es dans les cordes. Ah! Éclatement. Éclatement. Alors là, c'est sur la nuque. Il est immobilisé. Immobilisé au niveau de l'épaule et de la tête. Tout ce que vous voyez ici. Ah, une plaie. Il écrase sa cuisse droite. Et puis le poids de Sibolide, Lokamba, ainsi que celui de Sirène, il y a une grande différence, Willy Kande. Mais le catch, c'est d'abord la technique. Hein. Le poids ne compte pas. C'est d'abord la technique et ensuite, on va compter sur le poids, mais voilà. Alors là, Sibolide use de toute sa masse. Et Sirène, un peu plus agile, il immobilise.
Va-t-il empoigner? Va-t-il empoigner? Pourra-t-il le soulever? Pourra-t-il le soulever? Non, il invoque. Je ne sais pas. Les hostilités commencent. Les bonnes choses commencent. Est-ce que ce sont des bonnes choses? Non, pas du tout. Non, elle se met à danser, ça rappelle bien Papa Wemba et sa jupette. Lui avec sa jupette. Va-t-il le soulever? Va-t-il le soulever? Alors que sur le petit écran, on voit que Cibolite est immobilisé. Sirène qui renvoie quoi? Avec ses gants blancs. Dans le ventre. Cibolite immobilisé. Alors que Sirène danse. Il va faire danser Cibolite. Va faire danser Cibolite. Dans l'inconscient. Cibolite immeuble. Sirène qui s'occupe de l'arbitre. Il veut que l'arbitre se mette aussi à danser. Et l'arbitre se met aussi à danser. Finalement l'arbitre entre dans la danse. Et voilà, c'est lui-même qui a fait danser l'arbitre. Et il n'a pas donné le temps à ce que, qu'il puisse bien compter. Voilà les meilleurs danseurs du moment, l'arbitre central. Et l'ambiance. Sirène, la jupette blanche des sirènes. Ça c'est quoi? C'est un soutien. C'est un cinglé ou un soutien? C'est un bustier. Cibolite va-t-il tomber? Non, il refuse. Et dit, tu vas voir mon coup de tête maintenant. Tu vas la voir. Il va essayer de repartir avec lui. Il est dans son coin. Cibolite pour le premier coup de tête. Sirène qui refuse. Il refuse de quitter les rings. Et maintenant, on va assister à un moment très chaleureux parce que quand Cibolite reçoit déjà les actions et lui avec son coup de tête. Ah non, il refuse de quitter le ring. Il refuse de quitter le ring. Maintenant, Cibolite va demander et on va assister. Troisième coup de tête. Non, il quitte le ring maintenant. Il quitte maintenant le ring. Imana le remet sur le ring. Quatrième coup de tête. Il quitte le ring. Imana le reçoit. Il dit non. Rentre. Tu as voulu te battre, hein, madame. Hein, madame. Madame, rentre sur le ring. Peut-être pour le cinquième coup de tête au chaos, celui-là, va-t-il réussir? Il doit partir. Il dit rentre. Rentre. Tu l'as voulu. Sixième coup de tête. Va-t-il passer maintenant? Où va-t-il tirer, Nella? Voilà, il va chercher à où monter. Voilà, il y a l'endroit déjà, il a vu. Il doit monter. Chers amis téléspectateurs, amis sportifs, vous qui êtes en train de suivre la télévision nationale en ce moment. Voilà. Cibolite. Et qui est monté sur le ring maintenant? Ça, ce sont les élèves de Sirène. Et à chaque fois, celui-là aussi monte sur le ring. Il va chercher à grimper la grille. Non, là. Petite démonstration, coup de tête, reçoit également, mais ça neutralise pas Cibolite. Ah, il le chasse de ring, il s'écroule. Et où va-t-il maintenant? Les autres disent non, Cibolite ne peut pas nous taper tous. Dans quelques instants, on va suivre. Le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. On va suivre le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. On va suivre le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. On va suivre le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. On va voir. Imana
Le combat en dehors du ring entre Cibolite, et Imana. Alors que dans quelques minutes, on va vous proposer le mot du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. On va voir Wadengos, Adom Jani, Wadengos qui vont être là. Wadengos pour le mot du ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Dans quelques instants, Barbosa. Monsieur le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, pour l'excellence Denis Kamba, il faut dire qu'une belle ambiance ici. Je ne sais pas comment vous réagissez alors qu'on arrive vers la fin de ces combats. Ce gala...